argent? Il est où? Donne! Donne mon argent! La mon argent. Il est où? Il est où mon argent? Ciao, Mario! Ouais. Je suis okay. Super! Arton! Arton! Mais de fil! Hello! Ciao, Mario, mon petit! Ciao! Il est où mon argent? Donne mon argent! Je suis super! J'en peux plus. Ruby, Castro, Ruby. Volkswagen? Cecilia. Siemens. Mon argent. Donnez-moi mon argent. Il est où? Castro, ton col. C'est moi le FMI. Il faut sauver les banques. La Grèce à vendre. Les Grecs à vendre. La mer, le soleil, les plages, les îles à vendre. Il faut payer, la Grèce doit payer. Il est où mon argent? Il est où? Il est où mon argent? Tapis, il est où mon argent? Il faut travailler plus pour gagner plus, hein? Bon, 35 heures, c'est un scandale, hein? C'est pas le même pas de la petite Bolzaïta. Moi, je cherche une femme mineure de préférence pour passer la soirée avec une cavalière pour faire bunga bunga. Ich liebe Griechenland. Il y a de l'argent en Grèce. Il y a de l'argent en Grèce. Et moi je vais le trouver parce que moi je suis super fort. Je suis super pomme. Je reviendrai, hein, pour le peuple français et pour l'UMP. C'est l'heure du médicament. Pour la Christine. Quoi, Christine? Ah, ne me touche pas! Christine! Oh, j'étais là en premier, pas loin de passer par toi! Oui, t'as pas payé, t'as pas payé! Oh, lui aussi est passé par moi, alors j'étais là en premier, il a pas le droit! Ma casse, va prendre cours! C'est la pilule bleue pour faire bunga bunga! Ne me touche pas! Eh, c'est Spider-Man, hein? Tu es sur la vidéo? Eh, mais c'est fini là, hein? T'as perdu! Game over, Georges, fini! Un plus deux égale un? Oh putain, mais ils sont cons, les Grecs! Pas plus que les Français et les Allemands, Nicolas! Hitler avait les Grecs en grande estime! Nous, on connaît bien la faiblesse pour l'argent, les pots de vin, l'héritage historique du temps ottoman! La corruption est un sport national de l'élite grecque. Les politiciens grecs sont les meilleurs athlètes. Les riches politiciens sont admirés par le peuple grec. Les statues des politiciens et leurs noms sont partout dans les rues et les places en Grèce. C'est vrai, mon papa à moi, ben, il a une statue en Grèce. Et même des rues avec son nom. Hein? Hey. Vous croyez que moi aussi un jour j'aurai une statue? Oui, on a un peu exagéré avec notre exigence. C'était très beau client, hein? Des très beaux clients, hein? Et toujours cash, hein? Avec un petit plus pour la campagne, hein? Les deuxièmes acheteurs d'armes dans le monde. Et ils achetaient tout et n'importe quoi, hein? On a été trop loin, Gela. Maintenant, c'est moi qui paye l'addition, hein? Bon. Les Français m'ont mis à la porte. Je suis pas aussi con que lui, hein. Il faut que je trouve un boulot, hein. T'as pas d'enfant, toi, hein. Tu sais pas comment c'est difficile d'élever des enfants dans ce monde. T'as été trop dur avec le peuple grec. Non, il est fallait pour le nouveau Reich. Ça fait trop longtemps que nous l'attendons. Aïe! Je viens de vous envoyer une petite lettre de motivation pour le poste que vous m'avez promis. Vous vous souvenez? Et vraiment celui-là, là, hein. C'est le plus con de tous les Grecs. Non! Les peuples sont plus ou moins cons. C'est le pouvoir qui fait la différence. Parler d'argent, des crises, et les gens en perdent. Et la paix est la meilleure façon pour adopter les mesures nécessaires pour l'Europe du futur. Une Europe allemande! Ils ont vraiment cru qu'on allait suivre l'exemple de la Grèce, hein? Mais nous, on a des grosses machines qui gagnent de l'argent, hein? Une industrie. Seulement, faut se débarrasser de certaines professions, hein. Les artistes, par exemple. Le statut d'intermittent du spectacle en France,
C'était scandaleux. Hein? Oh, oui, vous avez raison. Nous, en Allemagne, on n'a pas ces statues. Et on arrive quand même à voir un village d'artistes. Et Berlin est très fréquenté par des artistes. Ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin d'autant d'artistes. Ils sont inutiles. On le sait, hein. Et on vous demande pardon. Si vous voulez, moi, je peux venir travailler à Bruxelles. Parce que moi, la Grèce, j'aime pas beaucoup. Enfin, si. L'été, c'est sympa, c'est vrai. Parce qu'on peut faire du canoë et du sport. Et moi, j'aime bien faire ça. Mais travailler là-bas, moi, j'aime pas. En plus, je comprends rien à ce qu'ils disent. Non, mais c'est vrai, hein. Si j'avais pas eu mon traducteur Goldman Sachs pendant les réunions d'État, eh ben, moi, j'aurais rien compris, hein. C'est qui s'y connaît, Goldman, en chiffres. Alors, du coup, ben, moi, je m'occupais des dîners officiels. Un sacré Goldman, tu vas manquer. Maintenant, on fait quoi avec eux, hein? On n'a plus de place en France. Déjà se débarrasser des immigrés, alors c'est pas facile. Hein. Mais en plus, amener des Grecs. Oh, ils sont de bons travailleurs. Nous, en Allemagne, on a une grande communauté grecque qui travaille depuis longtemps. On est très contents de leurs résultats. Mais les Grecs en Grèce, ça ne marche pas du tout. Ils font trop de bruit. Écoute, serre. Nous, les Allemands, pouvons les discipliner. Ouais. C'est vrai qu'en France, on a Nikos, hein. Il fait de la télé, de la radio, publie des livres, écrit dans 3 journaux, 2 magazines et sur Twitter. Hein. Ah, je le suis régulièrement, hein. Un grand fan de la culture grecque, hein. Ah, mais c'est ça la vraie culture, hein. Pas des vieilles pièces chiottes à la comédie française. Nous, on aime bien Nana Mouskouri. Ben alors là, vous pouvez la garder, hein. Elle vous rendrait à la France un grand service. La nation vous en serait éternellement reconnaissante. Et maintenant, on fait quoi avec les Grecs? Vous avez des propositions? Oui, il faut les mettre à la porte. Ah ben sinon ça va exploser là-bas, hein. Il n'y en a pas un seul qui est capable de gérer leur merdier, hein. Bon, le peuple grec est sympa, hein. Mais les conditions de travail sont loin d'être idéales. C'est le bordel partout. L'État grec est gouverné par des familles qui coûtent toute envie de création, hein. Le monde politique en Grèce, c'est ce qu'il y a de pire en Europe. Ils sont tous cons, hein. La dernière fois, ils nous ont ramené le gros ministre des Finances, qui en plus de draguer Carlita n'arrêtait pas de s'empiffrer, hein. Là, c'est impossible, hein. Peut-être pour gérer un hôtel ou un restaurant, hein. Mais un pays, c'est trop compliqué pour eux. Ils n'ont aucune tradition. On leur rend la drague. 0 5 000 drachmes et ils seront contents, hein. On avait fait ça pendant l'occupation de la Grèce en 1942. Mais c'est très intéressant. Vous êtes un très bon connaisseur de la Deuxième Guerre mondiale. Mais félicitations! Monsieur le Président. Merci, ma chancelière. Vous me flattez. Oh, oh, oh. N'exagérez pas, hein. Vous êtes un bel homme. Et ce petit boulot, c'est que moi, je suis au chômage, hein. À la rigueur, on leur fait un petit coup d'État, hein. Les Américains adorent ça. Ah oui, je vais rentrer chez moi. The States. J'ai toujours vécu là-bas. Mes plus belles années. Kansas. Great City, man. Allez, on rentre! Mais c'est pas tout, hein? Ah, des beaux fuck! Ça suffit maintenant, allez! Mais j'ai pas terminé, hein? Je m'appelle Georges Jeffrey Papandréou! Je suis né de nationalité américaine. À Saint-Paul, dans le Minnesota. Mais en Grèce, on m'appelle Georgios ou Georgakis. J'ai vécu aux États-Unis, à Londres et à Stockholm. Eh ben moi, mon papa à moi, ben, il s'appelle Andreas. Eh ben moi, mon papa à moi, ben, il m'a appelé pour revenir en Grèce quand j'avais 30 ans. Depuis, j'ai occupé plein de postes prestigieux. Et mon poste préféré, ben, c'est celui de ministre des Affaires étrangères. J'aime beaucoup voyager. Eh ben moi, ma famille à moi, ben, elle a gouverné ce pays plusieurs fois. Mon grand-père, il était premier ministre. Il s'appelait Georges. D'où mon nom. Mon papa aussi, il a été Premier ministre. Moi aussi, j'ai été Premier ministre. Même que j'étais élu en 2009, ouais. Avec comme principal slogan... Hé, attendez, je vais vous le refaire. En Grèce, il y a de l'argent. C'est nos îles apotinkopsi, tous patiouti d'Amérique. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει φυλή. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των ρίων.
antaiera ke san prota andriomeni chero chero eleftheria ke san prota andriomeni chero chero eleftheria. Place du Parlement. Oh, regarde, un souvlaki. On va manger un souvlaki. Oh non, écoute, on n'a pas le temps. On a plein de choses à faire. Tu sais, j'aimerais bien voir ces grands types qui bougent pas. C'est quoi? Mais tu sais, les grands types, là, à l'entrée, qui bougent pas, là. Les quoi? Ça! Regarde! Ils bougent pas, le mec! Ouh, 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 ouh! Tiens, rapproche-toi, on va faire une photo. Allez, souris. Voilà, t'es parfaite. Bon, on va manger un souvlaki maintenant. Oh non, 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 non. Un peu d'histoire. Oh non. Les Ivzon ou Solias étaient des guerriers qui portaient bien la ceinture à l'époque d'Homère. C'étaient de farouches combattants. L'uniforme des Ivzon d'aujourd'hui était porté par des bandits rebelles et des gendarmes. Sous l'occupation ottomane, ces combattants courageux devinrent vite le symbole du soulèvement national. Hé hey! À quoi? Bah... Ainsi vêtus, les jeunes soldats en fière allure. D'autant que les jeunes hommes sont triés sur le volet. Ils mesurent pas moins d'1m80, doivent être beaux... Ils doivent avoir un mental solide. Un peu comme moi, en somme. Ouais, ouais, ouais. Ce régiment prestigieux est très respecté chez les Grecs. Actuellement, son nom désigne les membres de la garde présidentielle, une unité cérémonielle qui garde le Parlement grec. Enfin, il est vachement immobile, quand même. Je viens de te le dire, t'écoutes pas? Si. Non? Si. Ah, c'est incroyable. Parlez de signe que je t'ai fait, ça t'est, hein? Parlez de signe que je t'ai fait, ça t'est. Non! Non, non, non. C'est une mouza, ou faskeloma. C'est le geste d'insulte le plus répandu parmi les Grecs. Il est un peu l'équivalent du bras d'honneur chez nous. Une mouza s'effectue toujours bras tendu, main ouverte, vers là où les personnes insultées. Elle est souvent couplée avec les jurons. Parta, orse, na, fissa, metra. Plus le mouvement est rapide, plus l'insulte est forte. Parta, orse, na, fissa, metra. Une version plus agressive existe en utilisant les deux mains, claquant la paume de l'une contre celle de l'autre. Non. Si vous apercevez à un grec vous adresser une mouza, c'est que vous avez dû particulièrement l'énerver pour qu'il vous maudisse sur 5 générations. Na, le malaka. Il existe aussi la mouza feintée, que l'on croit se diriger vers quelqu'un qui, au dernier moment, se détourne vers un autre. Na. La mouza en vague, qui rappelle la mer Égée. Non. La mouza financière, qui s'exprime pour des raisons d'argent. Si vous en apercevez une, vous ne reverrez jamais la couleur de votre argent. Parta na misa chrostao. Voilà ce que je te dois. Pare pede. Voilà 5. Pare zeka. Voilà 10. Parta na misa chrostoumena. Prends ça, je te dois plus rien. Maître. Compte-moi ça. Plus la main est proche du visage, plus l'insulte est forte. Parfois, cette insulte peut même se retourner contre soi-même. Non. Ohimè! Pigate che si fisse te domnimonio! Rafficame! Allì che ti salì! Qu'est-ce que c'est que ce truc? La tragédie. Quoi? La tragédie grecque est une manifestation caractéristique de l'Athènes antique. La tragédie occupe une place particulière au sein de la société athénienne. Cependant, pour bien comprendre son fonctionnement, il est important de le remettre dans son contexte politique et religieux. Oh, polis!
Oh, Poleos Polyctimones Andres! Le théâtre athénien est un acte civique très important dans la vie des citoyens. Aristote l'a défini dans sa poétique comme l'imitation d'une action de caractère élevé et complète qui, suscitant pitié et crainte, opère la purgation propre à de pareilles émotions. J'ai rien compris. Ilo philonac laftos, his nomis. Le 23 avril 2010, Georges Papandréou, Premier ministre grec, demande l'aide du FMI et de l'Union européenne. Hier, nous avons pris connaissance des vrais chiffres du déficit. Cela nous a rappelé toutes les erreurs dont nous avons hérité du précédent gouvernement. Nous avons hérité d'un navire prêt à couler, d'un pays sans crédibilité, d'un pays qui a perdu le respect de ses amis et partenaires, une économie exposée à la merci et à l'appétit des spéculateurs. Du premier jour, nous avons retroussé nos manches et commencé la tâche ardue pour changer cette sombre situation. Nous avons préparé un plan avec des mesures difficiles et douloureuses. Mais nous avons regagné notre crédibilité. En contrepartie, la Grèce prend une série de mesures qui sera contrôlée par les bailleurs de fonds, le FMI et les pays de la zone euro. La violence des mesures a un impact direct sur le peuple grec. Baisse des salaires, coupure des retraites, augmentation importante des impôts. Personne ne comprend les raisons de la crise financière. Le peuple est traité de voleur, de menteur, de feignant. Bonjour, c'est Papadopoulos, votre propriétaire. Dites-moi, vous n'avez toujours pas réglé vos trois derniers loyers. Quand est-ce que vous comptez le faire? Merci de me rappeler. Καλημέρα, Μητροπούλου Αρετή από Πόσμπα. Χρωστάτε 500 ευρώ. Παρακαλώ, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μου. Bonjour, Niki Xenou. Je représente le service des eaux. Et il se trouve que vous n'avez toujours pas réglé votre dernière facture. Merci de nous contacter au plus vite afin de régulariser votre situation, sous peine de nous obliger à vous couper l'eau. Καλησπέρα, στρατιάδο Ιωάννα από Εθνική Τράπεζα. Παρακαλώ, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μου. Bonjour monsieur, je suis le directeur de l'école française d'Athènes. Monsieur, vous n'avez pas payé les deux derniers trimestres. Merci de régler ce détail au plus vite, sous peine de ne plus pouvoir accepter votre fils à l'école. Salut, c'est Nikos. Dis-moi, t'aurais les thunes que je t'ai filé parce qu'on me les réclame là. Donc ça serait cool que tu me les rendes. Rappelle s'il te plaît. Ναι, κύριε Βουδούρη, είμαι. Μου χρωστάτε τρία νίκια. Πότε σκοπεύετε να τα πληρώσετε? Allez, tous au Parlement, là, c'est parti! Oh! Papa Andréou! Ministère de Voyous! Papa Andréou! Ministère de Voyous! Papa Andréou! Ministère de Voyous! Ministre, salaud! Le peuple aura ta peau! Ministre, salaud! Le peuple aura ta peau! Ministre, salaud! Le peuple aura ta peau! Nakaï, Nakaï, Tobuzelo Ibouli, Nakaï, Nakaï, Tobuzelo Ibouli, faites brûler le Parlement, faites brûler le Parlement, faites brûler le Parlement. Et là, Cléfès, Cléfès, voleur.
Clefès, Clefès, voleur, voleur, FMI, tous pourris, vous soldez le pays, FMI, tous pourris, vous soldez le pays. J'en change de métier au Sofitel de New York, on cherche un employé. J'en change de métier au Sofitel de New York, on cherche un employé. La crise est le pouvoir, allez vous faire voir. La crise est le pouvoir, allez vous faire voir. La crise est le pouvoir, allez vous faire voir. Eh oh, oh, oh. Cadet omnimonio que friet apodo us. Eh oh, oh, oh. Cadet omnimonio que friet apodo us. On va payer la dette. Non. On va payer leur dette. Non. On va payer leur dette. Non. On va jamais, on va jamais, on va jamais payer leurs dettes, on va jamais payer leurs dettes. On n'a plus d'argent, plus d'éducation, on va tous vous mettre en prison. Une seule solution, la révolution. Une seule solution, la révolution. The latest news that we have still is that three people are confirmed dead in that fire, which was caused by firebombs, petrol bombs thrown by protesters. Et des images exclusives hein, que vous pouvez voir donc uniquement sur BFM TV. Image ici là donc d'évacuation des membres du personnel de la banque. The fire brigade saying that three people killed in this fire. In a busy Athens side street, people came to lay flowers at the bank where three workers were killed yesterday in a day of violent protest. Dimitra, 33 ans. Nikos, 32 ans. Hélène, 30 ans. Reposez en paix. Dropé. J'ai honte d'être grec. Je me présente. Nom, Morides. Prénom, Mélina. Âge, 29 ans. Situation familiale, célibataire. Adresse, Pavloumela, 49, Ilioupouli. Téléphone, 69497302. Email, angelpap@web.com. Formation, diplômée d'un master de mathématiques à l'Université d'Athènes et diplômée d'un MBA, In City University of London. Expérience professionnelle, 2006-2008. Employée à la Citibank. Depuis 2009, je travaille à l'agence
Marfin Bank, place Syntagma, à Athènes. Merci, Nikos. Je suis responsable des transactions financières des entreprises. Ça va, Eleni? Mon bureau est au rez-de-chaussée, en face de Dimitra. On travaille ensemble depuis 3 ans. Eleni! Dimitra! Qu'est-ce qui se passe? Le premier cocktail Molotov est tombé sur le rez-de-chaussée. La sortie de secours était bloquée. Elle fonctionnait avec une télécommande placée sur le bureau du directeur qui était inaccessible. Avec le deuxième cocktail Molotov, le feu s'est répandu partout. La seule solution était de monter jusqu'au dernier étage. La seule sortie possible était un Vélux. Un Vélux fermé par une grille en fer. Harris a réussi à casser la grille. Ce qui nous a permis d'atteindre le toit. Eleni s'est retrouvée dans son bureau prise au piège par les flammes. Nikos est mort asphyxié dans l'escalier du premier. Il n'a pas eu le temps d'atteindre le second. Dimitra a réussi à atteindre le deuxième étage, mais elle a été rattrapée par les flammes. On l'a retrouvée morte près du balcon. Ce jour-là, la direction de la banque nous avait prévenu que même si la plupart des agences du quartier seraient fermées à cause de la grande manifestation prévue contre les mesures d'austérité, nous serions obligés de rester ouverts sous peine de conséquences. Dimitra s'était mariée l'année dernière. Elle était enceinte de 4 mois. Ces derniers jours, Dimitra était très heureuse. La veille, elle venait d'apprendre qu'elle allait avoir un petit garçon. Hello everybody! My name is Jean Papandreou. Je suis votre nouveau prof de sport, ok? En France, c'est dynamique, all of the birthday! Avec Papandreou, pas de grace en grace! Go! Yeah. Aujourd'hui, la situation menace non seulement de démolir les sacrifices du peuple, mais également la voie pacifique de notre économie. Nous ne voulons pas que les sacrifices du peuple grec soient vains. Nous ne le permettrons pas. Allez, remontez les genoux, go! Le moment est venu. Le temps qui ne nous est pas accordé par les marchés nous le sera par le soutien de la zone euro. On change de côté, yeah! J'ai demandé officiellement à nos partenaires d'apporter une contribution décisive afin que la Grèce rentre au port. Attention, on va travailler le bassin, ok? Ainsi, nous allons pouvoir reconstruire notre navire avec des matériaux neufs et fiables. Attention, on change de sens. J'ai demandé au ministre des Finances de prendre toutes les mesures nécessaires. Échauffement terminé! On gonfle la poitrine, on rentre l'estomac, c'est parti pour un petit jogging! Go! Putain! On est dans une galère à cause de ce mec! Ah bah m'en parle pas, hein. Moi qui ai voté pour lui, bah j'aurais mieux fait de me couper la main! Je te l'avais dit, hein. J'aime pas, moi, les mecs qui font du jogging.
Le pire de cette histoire, c'est que c'est lui, là, qui nous a dénoncé, hein. Il aurait pu attendre que d'autres pays soient dans la merde avant nous. L'Irlande. L'Italie. L'Espagne. Le Portugal. On l'a dans le cul, maintenant. Mais l'Europe entière va se foutre de notre gueule. J'ai commencé à me méfier, moi, quand j'ai vu des types comme Berlusconi crier « Aiutare la Grecia, ma !» Ils sont dans la merde, aussi. Pas autant que nous, hein. Seuls les Français ont été sympas. J'hallucine. Nous qui les traitions de grognons et de radins. Mais tu te souviens, les petites Françaises, hein? Julie, Judith, Paros, Santorin. Oh putain, on a bien kiffé là. Ouais. Et maintenant on est fauchés. On a même pas de quoi se payer un billet de bateau. Vive la crise. 350 euros le SMIC. 50% des jeunes veulent partir. 350 euros. On va se casser d'ici. Mais où? J'en sais rien. On peut pas rester. 350 euros Tu vois ma laca, on nous prend vraiment pour des malakies. 50% de chômage. Si on reste en Grèce, on est dead. Mais où tu veux partir? Il y a Andreas qui se barre à Amsterdam. Il va toucher 1300 euros comme serveur. Mais si on part là-bas. Ah putain de ça! On va se perdre! Ouais, t'as pas tort. On se barre au Canada. J'ai une tente là-bas. Mais trop loin, 14 heures de vol, en plus ça caille. On va se faire des thunes. Restons en Europe. La Belgique. Bah non, non, pas la Belgique. Mon oncle est parti taffer comme mineur dans les années 60. Il a gagné du fric. Ouais. Il a chopé un cancer du poumon. Et c'est son fils, Yanis, qui a tout perdu en jouant en bourse. Alors que son pauvre père lui avait payé des études supérieures d'économie à Londres. Quel con! Et avec leurs conneries, là, ils veulent nous faire croire qu'on doit payer la dette pour que nos enfants aient un futur. On n'aura pas d'enfants. Moi, je te le dis, c'est de la faute des Américains. Regarde notre Premier ministre, il parle qu'anglais. We are not asking for below. We are not asking for financial help from anyone. What we are doing is first of all revamping our economy. We are taking measures to put our economy in the right track. Ouais, mon con, ouais. Ah, et les juifs, ouais. Ah, les francs-maçons, ouais. Aussi, ouais. Ah, tout le monde est contre nous. Mais tu fantasmes, c'est ma mère et ton père qui sont responsables. Eux qui bossaient pour l'État, hein, et par peur de perdre leur place, eh ben ils ont fermé leur gueule devant les magouilles et la corruption. Pourquoi tu parles de mon père comme ça? C'est pas juste. Eh ben moi, je préfère être au chômage plutôt que de bosser pour l'État dans un pays de merde. Ta mère. Quoi, ma mère? On va trouver un job, ta mère. Ma mère? Le seul job qu'elle m'a trouvé, c'est au cimetière municipal. Avec la crise, il y a du travail. Si ça continue comme ça, ils vont régler le problème des retraites. Vive la crise! J'ai une idée. On se tire en France. À Paris, j'ai un ami qui travaille à Saint-Michel. Dans une crêperie grecque. Il se paye 2000 euros par mois, et en plus, il peut même piquer dans la caisse. Putain, mais on se fout de notre gueule et maintenant on doit s'exiler. Qu'est-ce qu'on fait avec les filles? Moi c'est bon, je la quitte. Ah non, mais moi je la garde là. Si je la quitte, elle se suicide, c'est sûr. Non, non. Mon amour, mon amour, comment ça va? On va te parler de bagage. Je t'appelle, dès qu'on arrive à Paris, je t'appelle, promis, d'accord? Je t'appelle. Elle m'a fait une moussaka. Costas! Costas! Ouais. Dépêche-toi, on va rater l'avion là! Allez, allez, dépêche-toi! Τι ήταν αυτό? Αγκαλίτσι, φίλα, θα σου πέσει και τον πόλο! Τι έσκαλε! Θα το δικό μου το κάμερα! Εγώ ποτέ! Θα σε ξεμαλιάσω, Μωρή! Α! Α το πάρει! Μωρή! Αμάν! Σε βάλε λίγο με τις εταιρείες σου! Α την πέρα! Τι έγινε! Μωρή! Πώς είμαι, Μωρή! Αλλάχ! Αλλά χρόνο! Ah, le chrono, il est bon! Ah, je suis bon! Ah, je suis excellent! Après un marathon, nous avons été récompensés par la décision de l'Union Européenne de nous venir en soutien avec un mécanisme fort. Nous espérions qu'une telle décision suffirait à apaiser les marchés, afin de nous permettre d'emprunter à des taux plus raisonnables. En d'autres termes, nous espérions avoir le calme nécessaire pour pouvoir nous concentrer sur les grands changements dont notre pays a besoin. Construire une économie viable et compétitive et rendre leur fierté
Au grec. Je m'appelle Panos Iotis. J'ai 77 ans. Je suis pharmacien retraité. Je n'en peux plus. Je ne veux pas laisser des dettes à mes enfants. Le gouvernement présent est sous l'occupation allemande, comme en 1942. Ce gouvernement a littéralement réduit à néant mes possibilités de survie qui étaient fondées sur une retraite honorable pour laquelle j'ai travaillé seul, sans contribution de l'État toute ma vie. Étant arrivé à un âge où je n'ai pas la possibilité d'avoir une réaction dynamique, je n'exclus pas que si un Grec attrapait une Kalachnikov, je ne serais pas le second. Je n'ai pas d'autre possibilité qu'une fin digne avant de commencer à chercher dans les poubelles pour me nourrir. Je pense qu'un jour, les jeunes Grecs, sans avenir, prendront les armes et qu'ils pendront les traîtres ici, place Syntagme, place de la Constitution, comme les Italiens l'ont fait en 1945, avec Mussolini, place Peretto de Milan. Nous sommes sur une voie difficile. Une nouvelle odyssée. Pour la Grèce et pour la nation grecque. Mais nous connaissons le chemin qui mène jusque vers Ithaque. La carte est établie. Le voyage qui est devant nous est basé sur une volonté commune de nous tous. Afin que nous puissions arriver à destination, sains et saufs, fiers, avec un sentiment de justice pour le peuple grec.
frère. J'espère que tu es heureux à Montréal et que tu es content de ton nouveau travail. Ici, la situation est terrible. Les gens t'arrêtent dans la rue et te demandent de l'argent. Les voisins te sollicitent pour de la nourriture. Et les enfants dans les écoles ont faim et s'évanouissent. Le peuple vit de la souffrance. Tout le monde se dispute. Le soir, j'ai peur de sortir dans la rue. Je reste chez moi, enfermée. À la télé, on nous terrorise. On ne comprend plus rien. On ne sait plus où est la vérité. La mondialisation, les banques, les taux, l'État, la corruption, les Allemands. Qui est le coupable de cette situation? Un ministre grec gros, très gros, petit-fils d'un dictateur grec et qui a fait ses études à Paris, a dit qu'on a tous participé à la corruption, qu'on est tous des voleurs. Moi, qui ai toujours tout payé avec mon salaire, notre père qui a travaillé du matin au soir pour qu'il ne nous manque rien, on est les coupables de cette crise. Tu me manques énormément. Mais je suis fière de toi. Tu as bien fait de partir, il n'y a plus de futur ici. Il n'y a pas eu de miracle grec. Les magasins sont fermés. La plupart des gens sont sans travail. Et tous les jours, il y a des manifestations et des grèves. Les gens n'en peuvent plus. Mon salaire a été réduit de 40%. Et le gouvernement annonce encore des augmentations d'impôts. Mais les vrais coupables, on dit compte en Suisse et ne paye toujours pas d'impôts. Je pense rentrer au village. Vivre avec notre tante. Je lui ferai ainsi compagnie, elle commence à avoir des problèmes de santé. La vie dans le village est moins chère. On aura notre potager, même si l'Union européenne veut les interdire. L'appartement à Athènes, je vais le vendre. Il ne vaut plus grand-chose et je ne veux plus m'en occuper. Toi, ne t'inquiète de rien. Mais mon frère, seulement promets-moi une chose. Ne reviens plus en Grèce. N'apprends pas le grec à tes enfants. Et l'été ne revient jamais ici. Peut-être quand tu seras vieux. Je t'embrasse. Ta sœur qui t'aime, Electra. Nous devons apporter de l'oxygène là où il n'y avait pas d'air, de la justice là où il n'y en a pas, de la transparence là où l'obscurité règne, de la sécurité où l'insécurité prévaut, et du développement pour nous tous. Je pars pour Cannes. Le moment est venu pour moi de faire partie des plus grands acteurs de ce monde, de rencontrer mon mentor, Obama. Journal de crise de François Barouin, jeudi 3 novembre 2011, mort en direct. J'ai 20 cannes. Le vent souffle fort. Des trompes d'eau s'abattent sur le tapis rouge déroulé devant le palais des congrès du festival. Le Premier ministre Georges Papandréou est convoqué pour s'expliquer sur son intention de soumettre le plan d'aide à la Grèce à un référendum. Georges Papandréou est là. Personne n'est venu l'accueillir. C'est dans la plus grande salle de réunion que va se dérouler la scène. Nicolas Sarkozy, l'hôte du G20, arrive en premier, accompagné de la chancelière Merkel et du président Obama. Hey Barack! Barack! It's me, George! Les portes se ferment. La discussion dure 2 heures. Le climat est lourd, pesant, la tension extrême. Commence alors un bras de fer entre Papandréou et Sarkozy. Papandréou transpire, résiste.
L'affrontement est long, éprouvant, un face-à-face d'une incroyable intensité. Papa Andréou joue sa carrière, il transpire de plus en plus. Oh. Vacille dans ses propos. Please, Obama, help me, please. Puis s'effondre littéralement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux rester Premier ministre. Promis, promis, je peux sauver le pays. Il y a de l'argent en Grèce. Ok, je sais pas où, mais il y a de l'argent en Grèce. Promis, promis, je vais le trouver. Promis, promis, je ne prendrai plus jamais de décision tout seul. Mais s'il vous plaît, laissez-moi encore gouverner encore un peu, s'il vous plaît. Acculé, il n'a pas d'autre choix que de se prononcer en faveur ou non de l'euro. J'assiste à la mort politique en direct de Georges Papandréou. Je vais partir. Cette banque m'a tout pris. Je vais partir, sachez-le, j'ai tout perdu. Elle n'a pas respecté mes intérêts. Elle a fait de moi un pauvre idiot. Et vous, les journalistes ? Dites au monde entier que les banquiers sont des escrocs. Les banquiers sont des escrocs! Dites-le au monde entier! C'est eux qui m'ont poussé à faire ça. Eux. Il ne faut pas que ça se reproduise. Faites en sorte que ça n'arrive à personne d'autre. La banque a mis l'appartement aux enchères. J'ai plus la force de me battre. Rien ne s'arrangera jamais. La malchance m'agrippe. J'ai plus de courage. J'ai plus aucun espoir. Maria. Excuse-moi, je t'ai déçu. J'ai pas réussi à tenir ma promesse. T'aurais jamais dû m'épouser. Heureusement, nous avons une jolie petite fille, Ellie. Si je meurs, ne t'en fais pas, avec ma mort, il y aura un peu d'argent. L'assurance va payer et tu pourras vivre. Maria. À partir de maintenant, tout va changer. Prends soin de notre enfant. Dis-lui bien que je l'aime. Pardon, Maria. Orpheus. Notre inspiration, notre foi, sans cette terre, notre peuple merveilleux. Notre jeunesse, nos possibilités, nos visions. J'ai l'intime conviction que nous y parviendrons. La Grèce doit croire en ses possibilités, en ses valeurs, en elle-même. Yeah.
l'occasion de la crise économique qui a durement frappé notre pays. Je me sens le besoin de répéter dans tous les sens que l'Église orthodoxe, comme elle a toujours fait, va se tenir à côté de la population abattue. Nous compatissons avec le peuple grec et nous allons les aider avec nos petits moyens. Il est impératif, cependant, de se tenir ensemble. Et avec la force de notre foi et l'aide de Dieu pour surmonter cette dure épreuve. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Moi, Georges Papandréou, j'ai voté le plan d'austérité. Il n'y a pas d'autre voie, sinon c'est la banqueroute. Je suis persuadé que la Troïka va mettre de l'ordre dans notre pays. Ô pas synanthropi synergisti vroton, sparti seniki, dolia vulefiria, sevdon anactes, michanorathi kakon. Moi, Georges Papandréou, j'ai voté le plan d'austérité. Nous avons la force de nourrir les Grecs. Nous avons la force de renverser une situation mauvaise qui existe depuis des décennies. Ελικτά κουδέν υγιές, αλλά παν πέριξ φρονούδες, αδίκως ευτυχήταν Ελλάδα. Moi, Georges Papandréou, j'ai voté le plan d'austérité. Les caisses sont vides, on n'aura pas de lait pour les enfants, plus d'essence pour la voiture, aucun transport public. Le chaos va dominer notre pays. Oh, de tous les mortels les plus odieux du genre humain, conciliabule de perfidie, roi du mensonge, artisan des fraudes, plein de pensées tortueuses, perverses et fallacieuses. Votre prospérité dans la Grèce blesse la justice. Moi, Georges Papandréou, j'ai voté le plan d'austérité. La crise n'est pas le début de la fin, mais un nouveau départ pour la nouvelle Grèce. Nous le devons à nous-mêmes, à nos enfants. Quel crime est inconnu parmi vous ? Où voit-on plus de meurtres ? N'êtes-vous pas avide de gains honteux ? Ne vous surprend-on pas toujours à dire une chose et en penser une autre ? Malheur à vous ! Moi, Georges Papandréou, j'ai voté le plan d'austérité. Aujourd'hui, ce qui est le problème grec sera demain le miracle grec ! On va voir maintenant ce que vous allez dire à ceux qui souffrent, à ceux qui deviennent pauvres et sans activité, à ceux qui ont perdu leur maison, leur dignité, tous leurs espoirs. On va voir maintenant, hélas, vous, grands moteurs de la modernisation, maîtres de l'alchimie et de la comptabilité créative. Auteurs de la catastrophe, c'est à votre tour, fossoyeurs de la réforme et de la reconstitution d'État. Qu'allez-vous dire pour vos mensonges monstrueux ? La corruption, le pont des vins, les lobbies. Voyons comment vous allez vous justifier face à un peuple qui vous a cru. Sans scrupules, impuissants, pipoteurs propagandistes, exécuteurs imprudents par délégation. C'est à votre tour maintenant, paix misérable du système. Vous, les deux grands, vous allez transformer la Grèce en bordel. Vous, les requins, vous ne partagez pas ce que vous avez. Vous qui faites de la corruption votre gagne-pain et qui avez conduit les peuples à l'humiliation et à la misère. Vous qui contrôlez le média qui présente le noir comme le blanc, où allez-vous vous cacher quand le peuple furieux et désespéré va vous chasser avec les pierres? Qu'allez-vous faire au moment où un océan de colère va déferler sur vous? Vous serez alors éternellement stigmatisé par la honte, vous qui avez conduit le pays à la faillite et l'humiliation. Alors vous n'êtes qu'une ombre, grandeur des ancêtres disparus. Que dois-je dire? Que dois-je oublier? Comment faut-il pleurer? Les souffrances crèvent ma tête. Je vous ai compris.
Peuple grec. Énervé. Déprimé. Suicidaire. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Les mesures prises étaient nécessaires pour la survie de la Grèce et de son peuple. C'est la décision de tout le monde politique européen de voter et d'approuver le plan d'austérité. Je me sens l'obligation de présenter toutes mes condoléances au peuple grec. La Grèce est un pays riche, très riche. C'est avec ma main sur mon cœur que je vous promets d'avoir fait tout ce qui est en mon pouvoir, pour le bien de mon pays, pour son changement. Je vous rappelle ce qu'avait dit mon grand-père. La démocratie, une fois encore, sera vainqueur. Mais le peuple n'a pas aimé mes efforts et a demandé mon départ de la vie politique. La Grèce doit payer ses dettes. Mais je suis persuadé qu'à un moment, le peuple grec va me rappeler, comme le général de Gaulle. Traversée du désert commence. De mon côté, le monde politique international a apprécié mon travail en Grèce. On m'a proposé à titre exceptionnel d'être l'unique candidat pour la présidence de l'Internationale socialiste. J'ai été élu à l'unanimité. Grâce à ma nomination en tant que président de l'Internationale socialiste, mon rêve d'enfant va enfin pouvoir se réaliser. Voyager partout dans le monde, Easy Rider into the wild. Mais la Grèce voyage aussi avec moi. Demain, je pars pour le Costa Rica. Il est important de montrer au peuple costaricain que les Grecs ont vraiment besoin d'eux. Si tu aimes les aubaines, les problèmes, les échecs, prends le risque et viens vite, je t'invite, je suis grec. Je vais te tirer les cartes et dans ta vie je vois des voyages, des nuages, des orages avec moi. Des voyages, des nuages, des orages avec moi. Chez moi, là-bas en bord de l'eau, on joue toute la nuit. Chez moi, des hommes jeunes et beaux, parfois marient leur vie. Prends tes armes, tout ton charme, mets des larmes à tes yeux secs. Je sais. Je regarde, je bavarde, prends bien garde, je suis grec. En grec, allons bien, ouvre ma porte et rentre avec le soir. Sois superbe, viens te perdre, oui, viens perdre la mémoire. Je m'appelle Nikos. Je m'appelle Kostas. Allons, viens, ouvre ma porte. Et rentre avec le soir. Yeah. Sois superbe, viens te perdre. Oui, viens perdre la mémoire. Je m'appelle Nana. Je m'appelle Nana. Milissez-vous. Que ce fils a monté vous. Milissez-vous. Problème, les échecs, prends le risque, et viens vite, je t'invite, je suis grec. On est ici pour rappeler au public français que la crise en Grèce n'est pas finie. Georges Papandréou continue à donner partout dans le monde des conférences. Harvard, Columbia. Il a une image complètement différente en Europe que celle qu'il a en Grèce. Nous, chaque soir, on essaye de montrer la situation grecque parce que si ça continue comme ça, il y aura peut-être une explosion sociale, une explosion dans la société grecque. Et là, ça va être très très grave. N'oubliez pas que les petits pays, petits villages, c'est très dur. Ça peut vraiment provoquer même une guerre civile. On est un peuple assez bizarre, le peuple grec. On a une tradition de se battre entre nous. Si ça continue comme ça, l'austérité en Grèce, elle est très très dure pour le peuple grec. Nous, on a invité le gouvernement français. On a eu certains retours. Le ministre du budget, malheureusement, ne pouvait pas venir à l'époque. Mais je pense que maintenant, son emploi du temps sera plus libre, alors il aura le temps de venir. On a des sénateurs, des parlementaires qui souhaitent venir ici, voir notre spectacle, expliquer le vrai personnage de Georges Papandréou, de la situation grecque. On vous remercie, soutenez-nous. Merci. Merci beaucoup. Merci.